Sur les genoux, pareil. La poitrine complètement écrasée. On ne veut pas voir ça. Et comme les hommes, on ne veut pas voir ça. D'accord? Comme je vous ai dit, nous, on ne pourra pas tricher parce que je vais partager la vidéo. Vous pourrez compter combien de nombre de répétitions on fait. Pour les squats, une fois qu'on a fait les 100 pompes, alors vous vous organisez comme vous voulez. 10, je me repose. 10, je me repose. 20, je me repose. Moi, je vais peut-être faire 50, je me repose. 40, je me repose. 10, c'est une éventualité. Faut pas que j'aille le plus vite possible comme un taré, mais il faut pas que je perde du temps. Pour les squats, d'accord? Vous avez vu les fesses? Je suis descendu. 1, 2, ça c'est des beaux squats. On veut pas voir ça. D'accord? Regardez. Oh, rien qu'une, ça m'arrache. Parce que je suis venu pratiquement toucher le cul par terre. Ok? Pour les abdos, ça va se compliquer. Les abdos, on va pas faire des sit-ups, on va pas faire des crunchs, on va faire ça. On va faire des rameurs. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Vous avez vu? Je suis en banane, je me ramène, je suis qu'en équilibre sur les fesses. 1, 2. C'est là où ça va être compliqué. Parce que faire des abdos, sans une centaine d'abdos, c'est sûr que comme ça. Ah là, j'en fais 1500 comme ça. Hein. On est d'accord? Les burpees, 25. On sera épuisé. Les filles, vous jetez les jambes, vous restez gainés, vous ramenez et vous sautez. D'accord? Les hommes, on se met en position, on pompe, on ramène et on saute. Ok? Préparez votre chronomètre. Nous, on va le faire. T'es prête? Vas-y, lance le chrono. C'est parti! Sans pompe. Ah.